des jeunes familles avec leurs bébés pour une mini-conférence sur le sommeil des tout-petits. C'est pendant le sommeil que vont être ancrés les apprentissages. Quand on dort, vraiment, on va mémoriser ce que l'on a appris. Le premier atelier de la matinée est un succès, les autres trouveront également leur public. La première édition de Ma Journée Bien-être et Santé, co-organisée par la COPAMO et la CPTS des Coteaux Rhodaniens, avait pour devise « prévenir plutôt que guérir ». Noémie, maman depuis 6 mois, avait besoin de conseils et d'échanges avec une professionnelle de santé et d'autres parents. J'ai retenu le conseil de l'agenda du sommeil pour un peu mieux suivre ce cycle, le cycle d'éveil et tout ça, donc je pense que je vais mettre ça en place. Ici une ostéopathe, là des ORL, plus loin une orthoptiste. Information, dépistage, animation pour enfants, au total une 40aine de stands avait investi le Clos Fournereau. Marilyn est socio-esthéticienne, une spécialité à mi-chemin du bien-être et de la santé. J'ai une certification supplémentaire pour adapter en fait les soins esthétiques, ce qu'on appelle un public fragilisé. Donc s'il y a un handicap, une pathologie ou autre, mais toujours avec notre outil esthétique, on va venir effectivement apporter une détente au niveau du corps par intermédiaire des différents massages, des différents touchés. Et en même temps, on s'occupe aussi, avec l'accord de toute l'équipe médicale, pour finalement que nous, on intervienne dans leur parcours de soins. Quand vous subissez une chimiothérapie, une radiothérapie, vous avez vraiment l'image du corps qui va être très très dégradée. Et on vient, nous, avec notre outil esthétique, finalement, essayer d'améliorer tout ce qui est aussi confiance en soi et estime de soi. Ayant axé la journée sur la prévention, on a fait venir donc les médecins de la CPTS. On a organisé des tests de dépistage des maladies rénales, du diabète, des tests auditifs. On a aussi axé sur tous les âges de la vie. Donc il y a eu des ateliers pour prendre soin de ses enfants. France Alzheimer est aussi présent ici, autant pour les aider que pour les aidants. Et le kiwi. Kiwi, kiwi, hop. Allez hop, voilà, on est pas mal. Et la santé, c'est aussi bien manger et se dépenser. Des fruits, les mélanger dans un blender et un bon coup de pédale. C'est ludique, une animation et un message de fond. L'idée, c'est de mettre en avant le sport et la santé par l'alimentation saine et l'effort physique. Près de 500 visiteurs sont venus chercher des petits trucs pour prendre soin d'eux et de leurs proches. Une première réussie pour Ma Journée Bien-être et Santé. Alors, fini les mauvaises habitudes. Après tout, ces bons conseils.